Bien le bonsoir d'Helvétus, de retour sur notre jeu Little Hope. Il y a quand même de l'espoir, c'est le contraire. Notre groupe s'est séparé, vous l'avez vu dans le dernier épisode, qui vient de sortir un peu du cimetière, et qui, peut-être par inconscience, se dirige vers le sentier des sorcières. Voilà, allons voir. Et bien sûr, il fait nuit noire, donc tout va bien. Hé, hey, par ici. Il faut que tu vois ça. Cette chose est peut-être encore là, cachée dans l'eau. Non, on l'a semée il y a longtemps. J'en suis sûr. Tu es un peu trop confiant, jeune homme. Oh merde! Tu passes devant, hein? T'es plus légère que moi. Tu devrais y aller. Il n'y a pas moyen que je traverse ce pont de merde, c'est mort. Pour rejoindre les autres, c'est par là. On n'a pas le choix. Bon. Je vais traverser et toi tu me suis. Si le pont s'effondre pas. Comme tu veux. Il faudrait bien se tenir, je dirais. Joue avec nos nerfs, comme d'habitude. Oh, pitié. T'as vu ça? Tombe de sorcière. Tirons-nous d'ici. Ne me touchez pas! Silence. Je vous en prie. Marie? 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 Je suis par ici! Marie. La source de tous les maux est là. C'est la gamine qui est maléfique? Je comprends pas. Ma chère est entrée. Elle l'a proclamé juste avant d'être exécutée. Afin que le mal cesse, il faut arrêter Marie. On peut savoir qui vous êtes? Pourquoi vous ressemblez à John? Je ne saurais trop vous répondre. Peut-être suis-je déjà sous l'effet d'un sort étrange. Je la vois. Je l'ai trouvée. Où l'as-tu dénichée? Je l'ai fabriquée de mes mains. Je la prends pour ton bien. Le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope. Le risque est grand. Non, Tabata, je veux la garder. C'est comme une passerelle avec le temps jadis, hein. Ils assistent à des événements par-delà les époques. Que dalle. Aucune ligne téléphonique. Ok, alors on est bel et bien coincé ici. Vous ne les avez pas vus? Non, toujours pas. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Je me demande où il est. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? Et... l'impression qu'elle veut que nous la suivions. Allez, suivons-la. Je suis d'accord. On devrait la suivre et les mêler à tout ça. Les deux petites filles...
L'une est du passé, et celle-ci est de notre époque. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet de celle qui vivait ici au XVIIe siècle. On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor ? S'ils devaient passer ici, nous les aurions vus. Oh là 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 là, on veut que nous fassions des bons. Qui sait ce qui nous attend ? Restez groupés, je vous en supplie, restez groupés. Hé, hey, attendez-nous ! Oust ! Reste avec le groupe, toi. Oh non. Toute seule dans le noir, dans les bas-fonds. Oh, pitié. Ça s'est pas débloqué. Oh là 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 là, les amis. Referme la porte derrière toi, Benette. Angela! Merde! Non! Vous n'allez pas l'aider. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Il n'y a plus que toi et moi. Jusqu'à ce qu'on retrouve Taylor et Daniel. Alors, c'était un piège? Hey, pas un piège. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider, s'il te plaît. Reste bien raisonnable d'aller explorer cette maison. Petit vilain. Cet endroit est une sorte de musée. La petite fille. Du calme. Je trouve ça bizarre. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Ouais, vous n'avez aucune garantie qu'elle soit décédée, hein, je m'excuse. Petit vilain. Attendez, examinez, c'était où ? Seule dehors. Étrange. Elle pourrait avoir un lien avec Marie. Procès de sorcière. Certainement. Mais comment et pourquoi, je n'en sais rien. Alors, ça mène où, ça ? Porte verrouillée.
Attendez, est-ce qu'il y a des recoins là-bas déjà? Ah, il y a... Acte de renoncement. Edward Roswell. Étrange. Un document juridique, vraisemblablement. Oh, ça fout les jetons, ces personnages. Ne me dites pas qu'il y en a un qui va s'animer. Il n'a pas de visage. Oh là 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 là. Oui, il y en a un qui est pendu. Non. Perturbant. Ça me fout du jeton. Oui, il y a de quoi, effectivement. Oh là 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 là. Premier accusé. Preuve spectrale. Oui, il n'en fallait pas beaucoup pour être accusé à l'époque. Alors, quelques objets ici. Oh non. Hé, hey, regardez ça. Je l'ai déjà vu. Où? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvé par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. Intéressant. Elle nous a peut-être conduit ici pour nous montrer ce truc. Regardons ça de plus près. Mais enfin, vous êtes dingue ? Un petit peu, oui, effectivement. Il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprits qui se lient à des objets. Ouais, dans les films, au cinéma. Allez-y doucement, ok ? Et si l'esprit de Marie était lié à cette poupée ? On la brûle ? Et on aurait réglé tous nos problèmes. Et si ça fait l'inverse? Peut-être que si on brûle sa poupée, ça va la rendre folle de rage. Tu n'as pas tort. Ne prenez pas de risques, les amis. Oh là 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 là. Alors... Ça, on est allé voir tout à l'heure, hein? Ok. On va partir dans l'autre direction. Attendez, est-ce que j'ai vu ça? Non. Ouais, Simon Carver, mais il a pas l'air très fiable. Hein. Il a pu éliminer des villageois pour avoir le champ libre. Secret trouvé. Illustration du tribunal. Ok. Ouais, on est dans ce musée. Hein. Des choses. Oula, je crains le pire, c'est la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh là 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 là.
voulez pas sortir de là. Là, on peut sortir. Mais où elle est passée, la petite fille? Elle nous amène là et elle s'évapore? C'était peut-être tout ce qu'elle voulait, nous mener à la poupée. C'est fait. J'en suis pas convaincu. Moi non plus. C'est très mystérieux. Que s'est-il passé dans les égouts, les amis? Presque plus de batterie. Ça capte pas de toute façon. T'entends ça? Il y a eu comme un bruit, je sais pas trop. Hé hey professeur? C'est vous là-dedans? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Ils sont où, les autres? Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent? Possible. Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. T'en es sûr de ça? Oui, je la connais depuis longtemps. Plus longtemps que vous tous. Elle en a vraiment pas. Je veux quand même illuminer un peu cette endroit. Mais elle n'est pas si dure que ça. Ouais. Oh, pitié. Je crains le pire. On ne peut pas ouvrir cette grille. Non. Ça fout les jetons, la perspective de cette caméra. Observe. Je te parie 10 balles qu'il n'y a personne. Je touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée? Comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure? Voleur, c'est ton nouveau passe-temps? Non, mais je l'ai été dans une autre vie. Bon, regardez, il y a des choses sur le côté. Hein. C'est quoi, ça? Bon, là, on doit pouvoir rentrer, mais je vais quand même explorer. Il y a plusieurs portes. Hein. Ici. Pourquoi tu es devant la fenêtre, toi? Tu vois quelque chose? Pourquoi il y a deux portes? Bon, je vais prendre celle du bout, là-bas. Par esprit de contradiction. Peut-être elle est fermée, remarquez, mais... Non. Ah, attendez, ouf. Attendez, c'est quoi ça? Monter. Hé, hey, Taylor, viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas dû être visité depuis un bail. Oh, ouais. Et tu me dois 10 balles. Je te dois que dalle. J'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. Ouais, mais... Faut pas que ça te décapite non plus. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant, mais on sait déjà ce que ça va donner. Ouais. Ben, tiens... Oh, pitié. Mais qu'est-ce que... On se détend, Schwarzy. Ne casse pas la gueule au mannequin. Très drôle. Viens plutôt me rejoindre. Oh,
Suis-moi. Par là. Ces trucs ont l'air tellement vrais. Oui, ça fout les jetons. Ils sont flippés. Taylor ? J'ai vu... J'ai vu quelque chose. Et nous aussi. Tu vas où comme ça ? Tu crois que c'est prudent ? Non. Ah non, me dis pas que Taylor... Oh là là... Où tu es ? C'est éprouvant pour nos nerfs. Rejetez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre Seigneur. Taylor ! Tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ? Il y avait des voix. J'ai vu mon putain de double et elle m'a regardé. Fringuée, chelou, et elle parlait bizarrement. Je comprends pas. Désolé de pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont traînée dehors comme une criminelle. C'était... Oh merde. Cassons-nous d'ici. Ouais, ok. Restez ensemble. Oui, essayez de rester groupés, parce que là, il y a quand même un sacré bug. Alors, attendez, est-ce que... Il y a des choses que nous n'avons pas vues ? Oui, beaucoup, je crois. Oh là 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 là. Explorons quand même, puisqu'on est complètement à la masse. Ça, on a vu. Là, ils sont rentrés par là, oui, peut-être. Oh, tout se ressemble. C'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? Ça, ils ont déjà vu ça, les autres. Premier accusé. Oui, ils sont sur les traces de leurs collègues. Donc ça, ils ont aussi la possibilité de voir la poupée. Qui n'est plus là ? Vous vous rendez compte ? La poupée ici présente, elle n'est plus là. Et ils l'ont laissée. Hé, regarde ça. Il n'y a pas de poupée. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Les boules. Merde, non, j'ai compris. La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois ? C'est trop bizarre. Trop bizarre ? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question que je reste ici une minute de plus.
Je suis bien d'accord. Allez, barrez-vous. Oui, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps avec les autres de l'autre groupe. Allez. Oui, sauf que... Est-ce qu'on peut sortir ? Suis-moi, c'est par ici. Bonjour. Alors, commencez-vous à y voir plus clair ? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela. Inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Encore une occasion manquée d'équiper votre malheureux groupe de quelque chose d'utile. Vous devriez faire plus attention. Prenez garde aux détails. Que de reproches. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. C'est toujours bon à prendre. Eh bien, comment formuler cela ? Nous avons tous nos propres démons. Ils n'appartiennent strictement qu'à nous et sont souvent le fruit de nos regrets. Ah. Je vous laisse sur ces mots empreints de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé. Et chaque pécheur un avenir. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard. Une fois de plus, cette conversation est cryptée. Voilà la route. Le prof et les autres doivent pas être loin. Espérons. On n'a vraiment pas eu de bol jusque-là. Alors, il part dans cette direction, hein. Ok, là-bas c'est la brume, donc ça n'apportera rien. La nana qui me ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça ? C'est pas bon signe, c'est sûr. Mais il t'arrivera rien. Compte sur... Oula. Terrible. Première guerre intercoloniale. Réduit en esclavage. Madeleine Carver. Ouais. Alors. Tu es où ? Il est où, lui ? Mais restez groupés. C'est pas possible. Me dites pas qu'il la suit pas. Ah, quand même. Il joue avec nos nerfs. J'espère pouvoir demander pardon à Angela. Il y a tellement de trucs qui nous sont tombés dessus ce soir.
Alors, j'essaye d'explorer un peu les recoins, je m'en excuse. C'est comme autant d'indices qui sont disséminés sur le parcours. Ah, ça c'est l'office du tourisme. Un vite saisi, propriété de la banque. On est les premiers touristes à venir ici depuis un bail. Qu'est-ce que des touristes viendraient faire ici? Oui, effectivement. Attendez. Elle a commencé une phrase, mais elle ne s'est pas terminée. C'est dommage. Oui, en tout cas, je vais boycotter ça de ma liste de destinations. Hein. D'où est-ce qu'elle vient, cette voix ? J'en sais rien. Restez groupés. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là ? Là, il y a des... Ah, il va falloir qu'on fasse... Ouais. Qu'on fasse quoi, demi-tour ? C'est quoi ces phrases qui s'interrompent ? Ouais. Comment ça se fait ? Ouais. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Petit vilain, il y avait un passage. Viens par ici. Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, j'invente pas. Hé, pas de panique, tout va bien. Non, ça va pas, tu comprends pas. Tu vois ces étoiles? C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. Je devais avoir quoi, 10 ans? T'es sûre? Sûre et certaine, c'est ma vieille balançoire, je te dis. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Mais non, c'est pas la même. C'est qu'une coïncidence. Non mais sérieux, t'écoutes ce que je te dis ou pas? Cette ville me connaît. Hé, regarde-moi. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Ce n'est pas ma faute. Vous devez m'aider. Par pitié. Pitié, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Plus un mot maintenant. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. C'est ton unique espoir de salut. Écoutez-moi, je n'ai commis aucun péché. La poupée qui me condamne n'est qu'un simple jouet d'enfant. Rien de plus, je le jure. Nous devons purger le mal qui s'est emparé de toi. Pour te libérer et nous tous de ce sort, tu dois brûler. Par pitié, non ! Ne faites pas ça ! Oh, je prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite. C'est abominable. Je dirais même plus éprouvant. La femme qu'on vient de voir, c'était moi. C'est mon tour, là, ça y est. Il t'arrivera rien ce soir, compte sur moi. Merci. Heureusement que t'es là. C'est peut-être pas suffisant, cette affirmation. Faut continuer vers l'église. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, sans doute. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des choses...
sur les côtés. Toujours un petit peu intéressé à regarder sur les côtés. Oh là 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 là. Alors, cette boîte. J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Hé ! Tire-toi de là et vite ! Dégage de là ! Dégage ! Barrez-vous. Merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Barrez-vous. Allez. Mince, j'ai raté ce QTE. Restez ensemble, bon sang. Aide ta copine. Allez. Lève-toi. Allez. Allez, Taylor. Allez. Taylor ? Oui. Taylor ! Est-ce que c'est bien toi ? Tous dans l'église ! Vite ! Oui, vite. Très vite. Où est Angela ? Elle s'est fait avoir. On n'a rien pu faire. Vous plaisantez ? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer, ou nous la rejoindrons. Oh merde. Cherchez d'autres entrées et sorties. Fermez-les toutes. Merde ! Aide-moi à barricader cette porte. Que fabrique ce vieil imbécile encore ? J'ai l'impression qu'il nous suit. Quoi qu'il puisse vouloir, nous devons nous méfier. Je sais que vous êtes là ! Bon sang, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il va attirer cette chose droit sur nous. Il ne se rend pas compte du danger qui nous menace. Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans ? Il ne faut pas que vous restiez là. Partez ou vous le regretterez. Fichez le camp ! Pas avant de vous avoir vu en face. Alors ouvrez-moi !
Il pourrait nous aider. C'est une très mauvaise idée. Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? On a été attaqué. Cette chose sortait tout droit d'un cauchemar, d'un film d'horreur. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Vous vous êtes cogné la tête? Vous devez nous aider. Pitié, nous ne savons plus quoi faire. Je me sens pris au piège dans cette ville. Je sais ce que c'est, oui. Je vais chercher de l'aide. Quel type d'aide? Alors, puis ça assure d'être dans un panneau qui va chercher de l'aide. Alors, attendez, je vais juste aller voir un petit peu ce que l'on apprend. Voilà, j'ai marre. C'est tout ce qu'on a vu lors des précédentes séquences. Ouais. Dites pas, parce qu'on a refusé un verre, qu'on est damné. Où est Angela, bon sang? Oh là 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 là. Cette chose d'or, elle joue avec nous. Pourquoi ces choses, ces saletés de créatures essaient de nous tuer? Si je le savais, là peut-être on pourrait les arrêter. Ça y est, à moi. À moi quoi? Le prêtre, révérend, quoi qu'il soit, lançait des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Encore un procès? Pas cette fois. Et ça en prenait la direction. Et la petite? Marie? Ouais. Je l'ai vue aussi. Sommes-nous à l'abri? Quelqu'un a vu d'autres entrées? Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Ce truc est encore là. Là, regardez. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Gardez la porte, au cas où ce truc revienne. Non mais ils se séparent, je rêve. Petite, tu es là? Ah, mais quelle bande de benêts! Peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un joug que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi? Le juge Wyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. Non. Non. Ah, ah. Regarde.
Toi qui tu voulais que j'épargne, comprends qu'il n'est plus de ce monde. Seuls les démons et le diable résistent à de telles forces. Oh non. Oh mais quelle abomination. Il faut avoir le cœur bien accroché, les amis, et je suis un petit peu au-delà de ma zone de confort, je ne vous le cache pas. Il était là. Je le tenais. Il était juste là. Et j'ai rien pu faire. Certes. Je suis désolée que t'aies dû vivre ça. Moi, ça m'a foutu en l'air. Ces procès de sorcières, ils sont tarés ou quoi? Ils ont tué ce mec pour rien du tout. Je suis désolée, c'est du délire. L'histoire se répète. Angela est morte après avoir vu son double exécuté. Taylor a échappé de justesse à cette chose. Si on voit son double mourir, on meurt. C'est très réconfortant. Merci beaucoup. Oui, très sympathique. Ne vaut-il pas mieux savoir ce qui nous attend? Le voilà! Le truc qui nous poursuit! Il ne faut pas le laisser nous coincer ici! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, avec ce truc dehors? Silence. Il est dehors. Je l'entends. Il est dehors, pour le moment. Mais s'il décide de venir nous chercher? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, une église, ça peut l'arrêter. Sérieux? Tu crois que c'est un vampire ou quoi? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. C'est pas une si mauvaise idée de rester ici, en fait. Vous croyez que c'est plus sûr? Nous restons ici. Pas le choix. Je n'en suis pas certain, okay. Mais bon. Vous avez peut-être raison. Peut-être qu'il va se lasser et partir. On n'a nulle part où aller. Trouver une autre issue. On dirait qu'il y en a plusieurs. Putain de merde! Écoutez. Pasteur. Carson. John Carrier. Je ne sais pas. Quoi en déduire?
Allez, confrontation, on est fou. Non. Amène-toi, salopard. Barrez-vous, bon sang. Et restez pas là. Où tu es ? Quelle heure ? Allez ! Va pas dans la brume. Il faut faire quelque chose. Calme-toi un peu. On doit réfléchir. Mais merde ! Il faut aider Taylor ! Toi pas. C'est de la folie. Reste pas dans la brume. Est-ce que c'est toi ? Je vois que... Allez, Taylor, j'ai aucune... Allez, à droite, je ne sais pas. Est-ce que c'est toi ? Je suis là. Taylor ! Donnez-vous la main. Ah, voilà enfin. Je suis soulagé. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Non, effectivement pas. Je dois m'arrêter. Faut pas qu'on traîne. Allez, attends. Il en peut plus. Sérieux ? C'est nous que ces trucs veulent tuer, pas toi. Faut pas rester là. On est tous en danger. C'est certain. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je n'en suis pas sûr. On devrait se poser un peu. Oui, mais en étant un petit peu sur ses gardes. Tu dormais ? Impressionnant. Oh non. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé. Mais je voudrais bien, je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici ? Écoute. Une chose est sûre, personne ne viendra nous aider. On est seul. Ça m'en a tout l'air. Notre seule chance, si on y réfléchit, c'est d'arrêter la petite Marie. Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider. Oui, ok, mais... Qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille ? Celle qui arrête pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre. L'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Où ? J'en sais rien. Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça. On dirait que là, tout nous échappe. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Marie est la clé de tout ce qui est arrivé. Les procès, les exécutions. Je sais, mais comment est-ce qu'on peut l'arrêter ? C'est même pas sûr qu'elle existe. On peut plus rien faire maintenant. Trop tard. C'est mort. On doit essayer. Il faut le faire pour nous, et pour les autres. Marie est la clé de tout ça. Oui, mais dans quelle mesure ? Je n'arrive pas à déterminer ce n'est pas si simple. Comme vous le dites, c'est qu'une enfant, on ne peut pas... Écoute-moi bien. Si on la revoit, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Chut. C'est quoi ? Chut. Oh non, ce machin est revenu pour m'acheter. Restez ensemble. Cachez-vous. Vite. Ils foncent droit sur nous. Pas de
de bruit. Je sens que je vais rater le QTE. Angela! Doucement, John. Je suis pas très en forme. Je vous croyais. Morte, comment avez-vous réussi à nous trouver? C'est juste... Enfin... On est content de vous voir. Allons, vous allez me faire rougir. Mais merci. Vous êtes coriace. C'est sûr. Vous êtes une vraie dure. Toute l'équipe est réunie? Vous avez trouvé tout le monde, super. C'est eux. Ce n'est pas moi. Pour l'heure, l'important est de vous mettre en sécurité. Allez. Créature pendant votre absence. La chose qui m'a poursuivie était horrible. Et apparemment, il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Ça ira sans vos lunettes? Ça ira très bien. Il y a un tas de choses que je préfère ne pas voir. Vous avez perdu vos lunettes, mais pas votre sens de l'humour. Rien. C'était quoi? Je sais pas. Ça ne venait pas de loin. Il faut continuer. Oh là 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 là. Je vais vous aider. Essayez de rester en vie, vite. Restez ensemble. Restez groupés, par pitié. Professeur? Angela, vous êtes où? Non. Daniel? Et alors? Derrière toi. Oui. Où est-ce que vous êtes? C'est une hallucination. Qu'on soit sorti de là indemne, c'est un miracle. Ouais, attention. Vite. On est toujours coincé dans ce trou paumé. Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose?
les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées, et pas une âme perdue. Vous faites du beau travail. Continuez. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Alors, les amis, je crois que... Trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Je crois que nous allons nous arrêter là. J'espère ne plus croiser cette petite où que ce soit. Je suis sûr qu'on tardera pas à la revoir. C'est peut-être dingue, mais... Et si sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver, nous aussi? Je n'ai été attaqué qu'après la mort de mon double. Ok, les amis, alors je crois que je vais utiliser cette possibilité qui m'est offerte ici, quasiment d'une pause, pour stopper le jeu. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo qui est assez éprouvante, je dirais. Zone d'inconfort, mais quand même pas mal de plaisir. Alors un tout grand merci d'Helvetus et je vous dis au revoir.